Et vous? Vous continuez de tenir un journal? Oui, madame. Concernant seulement comme journal, mais également pour écrire des réflexions, des observations amusantes. Et c'est toujours le même cérémonial, la même histoire, le même rituel. M'en vais là, serrer mon âme, affublée de la tiraille usuelle. La même scène immémoriale, la bonne vieille tirade habituelle. La litanie de l'insomniaque qui dit la vie aussi tyrannique cruelle. Mais j'y reviens chaque nuit, bien que le charme ça me nuise. Que je sache que ça me nuit, vu ce que révèle chaque ligne. Chaque verre est à charge me vise, mais je vais pas verser dans la chialerie. S'avère qu'il m'est choix de dire que faire avec était un choix de vie. C'est que je traîne comme un poulet, une boule de nerf, tiens à mettre en texte. Ne rêve que de voir la boucle bouclée, me bouleverse de ce que mes écrits s'enterrent. C'est le sommeil que ça en retrouve troublé quand je reste debout. Veille des nuits entières à tourner, retourner tous ces bouts de verre que j'ai en tête. Même suis juré d'y arriver, qu'un jour je me relirai et en rirai. À force de nuits comme celle-ci, d'efforts de lignes comme celles qui suivent. Même si ce n'est faux, il faut que j'insiste, ne serait-ce pour la forme ou le principe. Et si je dois faire des fautes dans les strophes que signe au fond, bah, qu'il en soit ainsi. Qui veut jouer à l'équilibre, c'est qui risque de connaître quelques chutes. Est-ce que je me suis juré d'écrire ici, mérite que j'en commette quelques-unes. Essayer jusqu'à ce que je réussisse et reconquière tout ce temps perdu. Ça justifie les récidives, les plans sur la comète, les pertes de plumes. Et je me joue sans cesse la même scène ou joute contre les mêmes adversaires. Quand vieux démon comme Ojajis me remonte le long de chaque ligne, veulent des noms me long jadis, mais manquent mes mosaïques de prose et renvoient mes pauvres mots à leur propre prosaïsme. Car qui saurait imaginer les mots qu'il y aurait à lire si jamais il venait à l'idée de nommer les choses de façon réaliste, énumérer les faits et causes auxquelles mon humeur aime faire écho. Entre ce que j'ai sur le cœur ou dans le crâne, soyez sûr que ça serait pas dans le calme. Même l'oreille la plus attentive, l'âme la plus sensible serait incapable d'attendrir toute cette colère que j'ai à transcrire. M'y essayer encore ce soir sans rien attendre de qui que ce soit, car si l'écrire est nécessaire, le faire entendre reste accessible. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Tente, pensée pesante, toutes me pressentent les écrire, car veulent toutes dès à présent être les plus perçants d'écrit. Mais sans lui rappelant ses crises, que l'on apaise l'esprit et peine à décrire l'essence de ce sentiment de déprime. Serait-ce là à payer le prix d'une existence sans sens? Expliquerait que je m'apaisante comme ma présence, une plaie silencieuse que j'expie en silence, en résignant la présence d'épines dans ces ressentiments que j'exprime et que j'estire pas en signant ce pli. Certes, ce combat semble sans fin, tout ce contrat semble en pointe. Tiens compte eux, ça semble en plainte, d'ordre conclave que je tiens sans entrain. Ce n'est pas qui penser m'ennuie, semble emparer. Mais plus beaucoup de plumes, je pourrais le dernier y passer la nuit sans en parler beaucoup plus. Mais vous pourrez la retrouver dans tous les poèmes que j'ai pu composer, en étaillé des bouts de verre, fait le tour de ce qu'on dit qu'on proposait. Tout ça pour n'avoir découvert qu'en causer à cœur ouvert, à tête reposée, semble pour le coup être deux projets tout à fait opposés. Ainsi prisonnier de ce vase clos, dont les alcôves n'offrent aucun souffle, prise au piège entre une rage folle ou encore une colère sourde. Je reconnais que je me raccroche à l'idée qu'un jour le couvercle s'ouvre, même si en vérité mon ras-le-bol, lui, semblerait couler de source. Ainsi retranché dans ma grotte, cherche à recracher ce qui me brûle les lèvres, c'est que j'ai quelques bout de verre coincé entre la trachée et la glotte. Non, c'est toute une boule de nerfs qui me reste en travers de la gorge, tournant boucle mes nerfs sans que ça sorte et bout de m'être entravé de la sorte.